Bonsoir et bon appétit, toute l'équipe de Vivre Ici cette semaine, Jean-Pierre Dounce, Bruno Dubost et moi-même, nous vous invitons à la passer dans la commune de Vert. Alors, Vert, Périgord central, d'aucuns pourraient appeler cette commune la capitale de la fraise. Nous aurons l'occasion d'évoquer également cela demain soir avec Marcel Théier, président du Cadran, d'évoquer cette fraisiculture en Périgord central. Pour l'heure, eh bien, nous allons faire, avec M. Moulinier, maire de la commune de Vert, plus ample connaissance, avec cette commune qui regroupe 1444 habitants, c'est très précis. Parfait. C'est bien ça? Parfait. J'ai pas fait d'erreur. Alors, M. Moulinier, qui est en fait conseiller municipal depuis 34 ans, enfin, oui, qui est à la mairie depuis 34 ans, et maire depuis 28 ans. À l'origine, vous êtes périgourdin, enfin, je m'entends, de Périgueux. Périgourdin de Périgueux, je suis né même dans les rues neuves. Oui. Dans les rues neuves, à Périgueux, rue Aubergerie. Que le quartier où je suis né a été particulièrement refait. Et c'est un très joli quartier. Quand j'y étais, c'était quand même les rues neuves. Alors, comment quelqu'un de Périgueux peut arriver ici, dans une commune de Vert, à quelques, c'est vrai, à quelques quoi, 10 minutes ou 20 minutes de Périgueux non, c'est vrai, c'est, oui, oui. C'est quand même, c'est ça mérite, c'est une anecdote. Oui, c'est assez étonnant parce que je n'étais pas fait, et je ne crois pas que je sois encore fait malgré mon âge pour la politique, mais je m'occupais énormément de sport. J'étais élevé dans l'atmosphère du CAP, mon père y jouait, et j'ai été toujours dirigeant, et puis le cycloclub a eu besoin d'un président parce que le pauvre président qui en occupait, qui était tout jeune, du reste était décédé, on me l'a demandé, j'ai accepté. Et Vert, il y avait Valentin Huot qui était champion de France, qui n'était pas encore champion de France, mais qui était une révélation. On m'a dit, faudrait faire une course à Vert, un notaire qui s'appelait De Guillaume, qui est mort depuis. Et on est venu faire une course à Vert, mais une course, pas une petite course. On avait mis le paquet. Pour vous donner une idée, à l'époque, Vert 59, je crois que c'est le premier Grand Prix, ou 58, il y avait en ancien franc 4 millions à distribuer. 4 d'où, millions, oui. D'où un plateau extraordinaire. On a eu tout le monde, tout le monde. J'ai eu tous les coureurs de l'époque, sauf Coppi, qui était mort entre-temps après un voyage en Afrique. C'était un tel succès que le maire de l'époque, qui s'appelait M. Pestret, m'a dit, il faut que vous restiez. Ou il m'aurait dit ça à la troisième mi-temps, mais je ne suis pas sûr. La troisième mi-temps. Et toujours est-il que je me suis retrouvé sur la liste, candidat, et élu, et pour la première fois à Vert. C'était sensationnel, en ce sens que c'était la première fois qu'une liste passait au premier tour depuis 100 ans, parce qu'il y avait toujours le clan tel et le clan tel. Et alors j'étais adjoint ces premières années, et puis maire, et puis je le suis encore, mais il est temps que je m'arrête. Voilà quelqu'un de réaliste. Bon, M. Moulinier, je vous propose une petite balade au milieu de votre commune. 2 minutes, on se retrouve tout de suite après. Eh bien, je vous suis avec plaisir. Thank you.
Monsieur Moulinier, autre chose importante et traditionnelle, donc importante, ce sont les marchés de verre. Oui. Alors, les marchés, c'est très important parce que, vous l'avez peut-être vu, le vendredi, il y a beaucoup de marchands qui viennent à verre et nous avons tout à verre 163 patentes. Je ne dis pas qu'il y a 163 commerçants heureux parce qu'avec la crise actuelle, ils font comme les autres. Mais grâce à ça, grâce surtout aux gros marchands de fraises, nous avons un revenu communal par les patentes, un tiers à peu près de nos revenus. Alors, c'est important. Le fait d'avoir créé la commune de Verre, le premier marché de la fraise qui remonte maintenant à quelques années, a été une opération miracle puisque, au bout d'un certain temps, elle était gérée par la commune de Verre, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas une solution. On ne pouvait plus y arriver. Il fallait du personnel, il fallait de l'organisation, il fallait monter des hangars, il fallait du chaud, il fallait du froid. Et petit à petit, les producteurs eux-mêmes sont groupés en syndicats et ont réussi ce tour de force de monter l'admirable, il faut le dire, l'admirable marché dont vous aurez l'occasion de parler avec M. le Président. Tout à fait. En long et en large, mais qui est une chose quand même assez, qui est unique en Dordogne, bien sûr, mais avec Marmande, qui est en France certainement la chose la plus importante. Il faut remarquer que Marmande est venu après nous. Est venu copier. On a essayé de les copier pour la tomate, mais ça n'a pas réussi. Bien, alors le cadran, effectivement, on l'évoquera demain soir. Autre chose importante, c'est vrai que vers Périgord Central, il y a ici tout à jouer dans le côté tourisme. Une chose que vous avez faite avec, par exemple, l'étang de Neufond. Voilà. Alors, l'étang de Neufond, c'est une idée qui a été... l'idée de mon premier adjoint, M. Delprat, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui a dit, là-bas, il y a une source, il y a 9 fontaines, 9 fonds, et un vallon. Donc, si on pouvait faire un étang, ça serait magnifique. Et alors, on a acheté 11 hectares et demi de bois, et on a fait un plan d'eau au milieu de 5 hectares et demi. Cet étang, mais là aussi, vous aurez l'occasion de voir le gérant, le directeur, qui existe sous l'égide de deux communes, Verre et Saint-Amand-de-Verre, pour la simple raison que c'est situé sur le territoire de la commune voisine, pour quelques mètres. Mais enfin, ça y est. Et nous ne le regrettons pas parce que ce sont des amis, ce sont de braves gens. Et il y a à cet étang donc, des possibilités de baignade, des possibilités de pêche, de distraction sur l'eau, les pédalos. Il y a toboggan aquatique, là où je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, du reste. Toboggan, oui. Toboggan. Il y a mini-golf et il y a beaucoup de monde. Pour vous citer un exemple, samedi dernier, il a fait très chaud. Oui. Mais ils ont fait 500 entrées, c'est ce qui est beaucoup. Oui, en une seule journée, c'est prometteur pour l'été. Mais M. Delprat vous en parlera mieux. Oui. De cet état. Mais enfin, c'est une de nos satisfactions. Bien, en tout cas, c'est preuve, en tout cas, encore une fois, que Verre s'ouvre sur le tourisme. Avant de nous quitter, monsieur le maire, deux mots, puisque nous nous trouvons devant ce monument, à la gloire de la résistance à ses morts. On aura là aussi l'occasion d'en reparler avec Jean Gréletti, qui a fait certains ouvrages sur cela. Oui. Mais j'aimerais quand même que vous l'évoquiez avec nous ce soir. Bataillon Roland, oui. Groupe Mireille. Oui, alors là, vous touchez une fibre sensible, puisque moi, j'étais... En 40, j'étais soldat et puis après je suis allé dans le maquis au groupe Roland. Et le groupe Roland, qui a été un des groupes des plus importants de la résistance, qui avait commencé à Durestal sur Saint-Alvert, ou même les communes d'à côté, Saint-Drieux. Roland a été un des premiers de la résistance. Et lorsqu'il a fallu choisir l'endroit où ils implanteraient le monument, ils ont choisi Verre. Verre, en effet, était un petit peu là. On dit la capitale du maquis. En fait, ça a été le centre, Périgord. Ça, si on prend un compas et qu'on met la pointe sur Verre et qu'on fasse le tour, on trouve les trois quarts de la Dordogne. Alors tous les gens se repliaient aussi parce que où il y a maintenant de la fraise, il y avait des bois. Donc c'était très boisé. Et là, tout le monde est passé à Verre, que ce soit l'AS, que ce soit les FTPF, que ce soit Mireille, que ce soit Roland, que ce soit Mercedes. On les a eu tous les uns après les autres. Chez tel habitant, en particulier la pharmacienne, à qui on a donné la Légion d'honneur, elle la méritait bien. Et nous sommes très heureux. Et moi, personnellement, je suis très fier d'avoir ici ce monument où on vient très souvent. Samedi dernier, c'était les Alsaciens et Lorrains qui étaient là, ici. Ils étaient quand même 180.
Très bien. Monsieur le maire, merci de nous recevoir en tout cas toute cette semaine dans votre commune. On va vous souhaiter ensemble un bon appétit, bien sûr, comme il se doit. Et puis on se retrouve demain soir, toujours à 19h. Alors là, rendez-vous directement sur le cadran de Vert. Une journée avec la fraise, c'est à voir. Bonsoir.